Aujourd'hui, j'ai parlé de trucs de base quand on fait de l'administration système, d'une manière générale. Je vais essayer de vous donner des petits trucs. Puis je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi et un peu après comment. Ce sera pas loin, ce sera pas très détaillé. Je vais citer des choses peut-être un peu rapidement. J'ai pas de slide parce que j'étais malade il y a deux jours et hier j'ai pas eu le temps. Donc je sais de quoi je veux parler, mais voilà, je vais donner des URL. Si vous avez besoin d'avoir les URL plus tard, vous me faites un petit email usul@mozilla.com, usul@mozilla.com, et je vous donnerai les URL en question. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder le cas de tiens, j'étais assez fou, j'ai commandé un serveur chez OVH ou un serveur chez Online parce que c'est pas cher. Et je vais m'amuser à gérer une machine, moi, tout seul comme un grand, et avoir des services qui tournent dessus. Et je veux le faire dans de bonnes conditions, et je veux que les services que je vais rendre, ou que je vais utiliser, ou que je vais me procurer, tournent dans de bonnes conditions, et qu'au bout de 6 mois, je ne me fasse pas appeler par le support d'OVH ou de Online, qui me disent « Oui, alors on ne comprend pas, votre machine, elle spamme tout le réseau, il faudrait faire quelque chose. » Donc la première chose qui compte quand on fait de la sécurité au niveau d'un serveur, c'est on le fait pour soi. On le fait pour s'éviter des emmerdes plus tard, on le fait pour s'éviter plein de choses. Et donc la sécurité, ça englobe un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait tourner sur le serveur, comment on fait tourner sur le serveur, est-ce qu'on fait des backups du serveur, parce que bon, ça fait partie de la sécurité, quelque part le jour où on perd ses données. Ben, on n'a plus de service, donc moi j'inclus toujours de faire des backups et de tester que les backups fonctionnent. Parce que bon, faire des backups c'est facile, hein, ça marche. Par contre, le jour où on en a besoin, ah ben merde, 75% du temps on n'a jamais testé qu'on était capable de faire le restore et oups, on croyait qu'on était sauvé, mais non, on n'était pas sauvé. Donc le truc qui doit vous motiver pour faire de la sécurité quand vous gérez les machines, c'est votre bien-être d'abord, c'est-à-dire éviter tout un tas d'emmerdes qui pourraient arriver en ayant quelques bonnes pratiques. La deuxième chose, c'est pour vos utilisateurs. Donc, généralement, si on met un serveur sur Internet, ce n'est pas que pour sa gueule. Généralement, c'est une page web où on va avoir des données, c'est un service où on met des fichiers à télécharger. Enfin, y a plein de choses qu'on peut faire. Et généralement, ce n'est pas que vous qui allez vous connecter sur la machine. Donc il faut aussi se dire voilà, si je sécurise, ben, mes utilisateurs ils auront pas de problème quand ils vont venir, ils vont avoir une bonne expérience, ils vont avoir ce genre de choses là. Donc voilà, vous venez d'installer votre machine, vous avez choisi votre OS de choix, et ce que je dis c'est vraiment générique, ça marche pour tous les OS, quel que soit l'OS que vous avez choisi. Vous avez choisi votre OS, vous avez configuré l'OS, et maintenant vous allez commencer à... Donc voilà, une fois qu'on a juste installé OS, la seule chose qu'on doit pouvoir faire, c'est se connecter sur la machine, et c'est tout. Et même ça se configure. Mais je reviendrai là-dessus après. Mais une fois qu'on a installé, ce qu'il faut penser, c'est à mettre à jour. De nos jours, ça bouge tellement vite, il y a des trous de sécurité... Le logiciel étant ce qu'il est, étant écrit par des humains, la qualité intrinsèque en termes de sécurité n'est pas là. Et sur n'importe quel distro de base où vous faites tourner aucun service, il y a déjà tout plein de softs qui tournent, qui sont installés, qui tournent. Et tout ça, ça fait plein de trous de sécurité. Donc il faut penser à patcher régulièrement. Donc il y a 20 ans, on disait « Oui, oh tiens, mon Irix là, il a 600 jours d'uptime, ouhou, je suis trop fort !» Aujourd'hui, quelqu'un qui a un serveur qui a de l'uptime de plus de 70 jours, quelque part, il y a des trous de sécurité là-dessus. Donc à partir du moment où il y a des trous de sécurité, vous allez vous retrouver dans une zone de risque. Donc pour vous donner un exemple, aujourd'hui, si on met un serveur en ligne sur une IP qui n'était pas utilisée depuis un moment, au bout de 20 minutes, il y a des robots qui vont commencer à essayer de se connecter sur la machine.
Vous regardez vos logs, au bout de 20 minutes, bam, machin a essayé de se connecter depuis telle adresse IP avec tel password, denied, puisque c'était pas le bon password. Si on met un password un peu pourri sur l'utilisateur root, c'est ça que les gens y cherchent quand même. C'est quoi? C'est en une douzaine d'heures, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de votre machine. Donc, les choses à faire, donc évidemment, pas de login direct en route. Connexion par SSH avec des clés, pas avec des mots de passe. Bon, c'est un peu casse-couille quand on perd la clé. Mais si on fait attention et qu'on fait un backup de ces clés, il n'y a pas de souci. Ça sécurise vraiment. Plus et plus la clé est grosse, mieux c'est. Pareil, la manière dont vous stockez vos clés SSH sur votre machine, ça se sécurise. Tout le monde ne doit pas avoir accès à l'écriture. Il y a quelques flags qu'on peut décider. Quand on configure SSH sur son client et sur son serveur, on peut réduire le nombre de ciphers qui vont être utilisés en choisissant les bons. Donc il y a un petit produit ou un service. Je crois qu'on l'a sous forme de service, mais c'est aussi un truc qu'on peut télécharger et installer sur sa machine qui s'appelle SSH Scan. Et SSH Scan, il va scanner votre machine, il va vous dire voilà, sur votre machine, la configuration SSH, c'est ça, 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 ça. C'est pas sécure, il faut virer ça, il faut virer ça, il faut virer ça, et ça vous explique pourquoi. Donc en fait, ça va réduire les options qui ne sont pas sécures dans votre configuration, et ça va réduire le nombre d'algorithmes qu'on peut utiliser pour faire les connexions, parce que plus on fait d'échanges, plus il y a quelqu'un qui peut écouter, et plus il y a quelqu'un qui peut choper des bits et des bouts, et avec les bits et les bouts, on peut, au final, avoir accès. Donc, on reprend. Pour l'instant, votre machine, il n'y a rien. On fait attention, on la patche régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Donc, moi, au travail, je gère quelques milliers de serveurs. Là, en ce moment, on vient de faire une grosse release, donc je n'ai pas le droit de patcher, mais j'ai 75 machines que je dois patcher. Et je suis à la rue. Voilà. Et je ne suis pas le seul. On est beaucoup dans ce cas-là chez nous en ce moment. Donc c'est un truc important, patcher régulièrement. Et s'il faut rebooter parce qu'on change le kernel, on reboot, c'est pas la fin du monde. On configure SSH correctement, c'est-à-dire par clé, des grosses clés, on réduit le nombre de ciphers, on interdit l'accès root, on configure correctement en sudo. Voilà, donc on est toujours là, on n'a toujours aucun service qui tourne sur notre machine, maintenant notre machine est là. Donc la chose qu'on va faire après, et qu'on fait généralement jamais, de temps en temps, alors peut-être à la même fréquence que celle où vous allez patcher, ben on fait le tour des logs et on regarde. Et on se dit tiens, c'est normal ça, tiens, c'est normal ça, tiens, c'est pas normal ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on se le note sur un bout de papier, on essaye de comprendre pourquoi il y a ça. Si on ne comprend pas, faut être en mode parano. Faut vraiment être en mode parano. Faut pas être en mode de nos jours, faut vraiment être en mode parano. Donc une fois qu'on a installé son OS, qu'on a réalisé qu'on allait les mettre à jour souvent, qu'on va regarder les logs, ceci que cela, on va regarder ce qu'on veut faire tourner, quel service on veut offrir. Donc après c'est des choix. Donc si on veut un serveur web, on a du choix. Les choix qu'on va faire, ils impliquent des choses derrière. J'ai aucune idée de quoi c'est les stats aujourd'hui, mais je crois que c'est un truc du genre 1, c'est ça, 2, ça doit être Apache. Après, il doit y avoir 2 IS. Et puis après, il y a Light, HTTPD, machin, machin, machin. Donc moi je suis un hacker, je sais pas moi, chinois. Ouais. 10. Ah merde. Déjà ? Oh, ben, je parle plus que ce que j'avais prévu, très bien. Donc en gros, ensuite, quand on va choisir les services qu'on va activer sur son serveur, on va essayer. Très bien, avec NGeek et Apache, on peut tout faire. Mais si vous n'avez pas besoin de tout faire et que vous allez juste servir des fichiers HTTP, Light HTTPD, ça peut être mieux comme solution pour vous. Parce que Light HTTPD, ben,
il y a moins de monde qui va regarder les trous de sécurité dedans, il y a plus de monde qui va regarder les trous de sécurité là-dedans. Donc, il y a plus, et c'est des bases de code plus grosses, donc il y a plus de moyens d'en avoir. Donc après, voilà, quand vous êtes à ce niveau-là, il faut faire des bons choix. Alors, c'est difficile à faire ces choix-là, parce que vous allez faire le choix le jour 1, et puis 6 mois plus tard, ah merde. En fait, aujourd'hui, sur mon serveur, je veux rajouter ci et ça, et pour ci et ça, là, il est HTTPD, ça ne marche pas, il me faut autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se dire, bah voilà, j'ai fait ce changement-là pendant 3 mois, ça a été cool, tranquille, maintenant j'ai besoin de plus, bon, bah, je vais faire plus. Et ça veut dire que plus on rajoute de services, plus il y a potentiellement de trous de sécurité et donc de travail à fournir pour se faire des configurations aux petits oignons. C'est bien de copier une configuration qu'on trouve sur Internet, mais c'est encore mieux de la regarder, de comprendre chaque ligne et de se dire, est-ce que moi j'ai besoin de cette ligne-là, est-ce que moi j'ai pas besoin de cette ligne-là. Ça évite d'ouvrir des trucs sans savoir. Donc on me dit qu'il me reste 10 minutes. Je regarde si j'ai parlé de tout ce que je voulais dire. Donc, je vais vous parler un peu des outils qu'on peut utiliser pour se simplifier la vie. Donc, sous Debian, il y a un petit outil qui s'appelle Apticron. Et Apticron, ça vous envoie un mail régulièrement avec le nombre de paquets qu'il faut mettre à jour sur votre machine. Donc, c'est très pratique. On n'a pas besoin de se connecter. On installe Apticron. Ça tourne tous les jours. Ça regarde qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour. Ça envoie un mail. Hé, hey, Coco, tu as tout ça à mettre à jour. Les commandes pour mettre à jour, c'est ça. Connecte-toi et fais. Sous CentOS, il y a à peu près l'équivalent, mais j'ai jamais réussi à le faire marcher. Donc moi, je le fais encore à la main. Sous FreeBSD, il faut lire la mailing list qui va bien. Donc c'est la mailing list de sécurité qui va vous dire, voilà, pour la release en question, il y a ça et ça et ça et ça qui viennent d'être mis à jour pour des trucs de sécu. Ah, je fais tourner ça, donc je vais mettre à jour. Pour les configurations de serveur web, il y a un petit outil qui s'appelle Observatory. Qui va vous donner une note de AAF sur comment est configuré votre serveur. Et au même endroit, on peut faire la même chose pour SSH, ça vous donne une note. Et surtout, sur la page de résultats, ça vous donne tout ce qu'il faut faire pour passer de F à A. Donc on lit. Ah, et ça je peux faire, je fais. Ah tiens, je suis passé de F à E. Alors, Apticron. Et l'autre, ça s'appelle SSH Scan. C'est un tab là-dedans, mais sinon, il y a un projet sur GitHub et j'ai pas l'URL en tête. Voilà. Et il me reste 5 minutes, c'est ça ? Question ? Pas de question. Ouais. Alors la question est pourquoi ne pas installer un truc qui met la mise à jour de sécurité soi-même ? Parce qu'en fait, quand tu fais une mise à jour, tu peux mettre une mise à jour une librairie système, généralement ça n'a pas trop d'impact. Tu peux aussi mettre une librairie à jour comme Java ou comme PHP, et ça a un impact sur ces applicatifs. Donc quand tu le fais à la main, tu vas voir de quelle version à quelle version t'es passé. Tout de suite après, tu vas te rendre compte que c'est cassé ou que c'est pas cassé. Tu sais que c'est ça qui a cassé, tu peux enlever ta mise à jour parce que ça a cassé ton appli. Tu peux faire un rapport de bug. Si tu le fais automatiquement, tu gères pas ton serveur. Très bien. Enfin, tu gères ton serveur, mais automatiquement. Ça tourne, ça se met à jour. Puis un jour, il y a quelqu'un qui te dit « Ah ouais, le truc là, c'est cassé. » Toi, ça fait 6 mois que tu n'as pas joué à ce truc-là. Tu y vas, ouais, c'est cassé. Et il va falloir que tu cherches pourquoi c'est cassé. Et donc, de reboot d'un serveur automatiquement, ce n'est pas quelque chose que je recommande, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Tu n'es pas sûr que ça va redémarrer correctement, donc il faudra faire quelque chose. Donc voilà, pareil, c'est pas un truc où on fait « Oh !» vite, je lance mon reboot. Oui, chérie, j'arrive, on va au cinéma. Et puis, t'oublies, et puis le lendemain matin, ah merde, elle a pas rebooté la machine, pourquoi ? Donc voilà, c'est le moment où on fait ces mises à jour et on fait ce genre de choses. Il faut prévoir un peu de temps derrière pour être présent et vérifier qu'on n'a rien cassé. Ouais. D'autres questions ? Ouais ?
tu peux le faire plus souvent. Il y a des, ouais, il y a des outils. Il y a SysLogNG. Si tu as plusieurs serveurs, pareil. Voilà, pareil. Tout ce que je vous ai dit, ça marche pour un serveur, mais dès qu'on a 10 serveurs, à la main, ça ne marche plus. Il faut automatiser, donc il faut regarder des outils comme Ansible, Puppet, pour faire ce genre de choses. Pour les logs, il y a des scripts qui existent de supervision. Tu les installes, tu les fais tourner, tu les fais t'envoyer un mail quand ils détectent quelque chose. Le problème, c'est que si je suis hacker, la première chose que je vais faire, c'est vérifier ces trucs-là et les virer. Donc, si tu tombes sur un gars qui n'a pas d'expérience, bah, tu vas le gauler. Si tu tombes sur un gars très fort, tu le gauleras, mais à la main. Ouais, j'ai pas parlé de mettre en place des règles de firewall, mais ça me paraît évident. Donc, ouais. Pareil, c'est un truc. Ça sert pas forcément, parce que par défaut, de nos jours, tout est fermé. Donc, les défauts de nos jours ont évolué. Il y a 10 ans, t'installais ton firewall, de toute façon, tout était ouvert. Aujourd'hui, tout est fermé. Donc, si tu veux faire marcher quelque chose, tu es obligé d'ouvrir. Mais pareil, ouais, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. D'autres questions ? Merci alors.